Salut les Burek, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour les aventures de José, la suite et la dernière étape du Tour de France avant le débrief des 3 semaines. Et peut-être une autre vidéo que je vais vous proposer si ça vous dit. Excusez-moi pour le retard, beaucoup de retard, excusez-moi. Donc bref, on va, avant de voir le profil de l'étape, je vais vous proposer quelque chose si ça vous dit. Une nouvelle série que je veux lancer avec vous, en votre compagnie, si ça vous dit, avec sur plusieurs sujets, des fois un sujet par vidéo. De pourquoi, du comment, un petit débat où je relaie ce que vous pensez vous. Débat sondage. Donc voilà, le premier ce que je voulais faire c'était sur le cyclisme. À votre avis, Julien Alaphilippe peut-il remporter un jour le Tour de France? Et est-ce de l'intox ce qu'il a dit l'autre soir en disant que l'année prochaine il n'est pas pour jouer le général? À votre avis, si ça vous dit, je vous laisse jusqu'à mardi pour soit dans cette vidéo, soit sur Twitter ou Instagram, je mettrai un post pour que vous puissiez commenter dessous. Et tout ça, je voulais jusqu'à mardi, le jour où sortira la vidéo, une semaine après. Donc là, mardi au moins, je tourne la vidéo. Donc si c'est mercredi qu'elle sort, et ben ça sera mercredi d'après. Et moi, je vous dirai pourquoi, à mon avis, etc. Voilà, donc c'est à votre choix. Dites-moi si ça vous plaira. En tous les cas, on découvre le profil de l'étape tout de suite. Donc en Rambouillet, Paris, les Champs-Élysées, deux difficultés. La côte de Saint-Rémy, les Chevreuses, et la côte de Châteaufort. Il y avait la côte de l'Homme Mort aussi. Juste après la dernière difficulté répertoriée, mais elle n'était pas répertoriée. Un sprint intermédiaire sur les hauts des Champs-Élysées, entre le troisième après le troisième tour, entre le troisième et le quatrième. Troisième et quatrième passage sur les lignes, et une arrivée sur les Champs, 128 km. Une étape de plat qui n'a pas démarré sur les chapeaux de roue, c'est normal, c'est l'étape champagne. On va être tranquille dans le peloton, on va faire la fête, parler, discuter entre. Coéquipier, mais aussi entre comment dire, voilà, on va discuter. Julien Alaphilippe a discuté avec un peu Bernal, un beau geste, ils se sont resserrés la main, voilà, entre adversaires, chercher le mot, et voilà, on a pu discuter, faire un débrief du tour, boire une petite coupe de champagne. Bernal en a bu 2 ou 3 pour l'info, alors qu'il y avait 128 km à faire. Donc, par respect, on n'attaque pas le maillot jaune sur cette dernière étape, c'est comme ça, et puis il y a peu de chance que ça aboutisse. Et le maillot jaune elle devait le gagner, c'est à moins qu'il y ait une chute ou quelque chose, même pour le général ou pour les maillots distinctifs, c'était tout fait normalement. Ou alors voilà, et qu'il abandonne, etc., pour x ou y raison. Allez, bref, on voit tout de suite le film de l'étape. Kilomètre 25, Tim Wellens passe en tête de la côte de Saint-Rémy-les-Chevreuses et prend un point pour le maillot à poids. Johan Ofredo va prendre le dernier point à la côte du Châteaufort au kilomètre 38. On va avoir une petite échappée qui va avoir 30 secondes d'avance avec Omar Fraile qui va emmener Tom Scullo au kilomètre 75. Ils vont être rejoints 4 km plus tard par Nispolit et Jan Twatnik. Dites-moi si je prononce mal les noms dans les commentaires, vous savez comment on les prononce. Les kilomètres 83, joués Roscoff, Kevin Malsen ainsi que Benoît Cosnefroy vont sortir en compte, mais c'est sans. Ça ne va pas réussir à rentrer sur la tête de course, ils vont être repris au kilomètre 87, les poursuivants, 4 km plus tard. Donc à noter, voilà, je vous disais, très tranquille, 34,4 km/h de moyenne sur la première heure. Crevaison pour Geraint Thomas au kilomètre 94, bon, il a pu rentrer dans le peloton, heureusement que c'était pas tout près de l'arrivée, et il y avait encore une trentaine de kilomètres, pour être précis, 34. Et crevaison de Sonny Colbrelli au kilomètre 110. À 18 km de l'arrivée, attention, il a quand même pu revenir. Marc Rayen ainsi que Nispolit au kilomètre 114,5 vont se relever parce qu'ils n'y croient plus. Donc, ils vont être repris par le peloton maillot jaune. Et par contre, Tom Scully et Jan Tranik vont faire encore 1,5 km en plus dans cette échappée. Ils vont être repris au kilomètre 116. Par le peloton, kilomètre 118,5 à 9,5 km de l'arrivée. Problème technique pour Michael Matthews, un short chain pour être précis. Mais il va pouvoir rentrer, bizarrement, il a pu faire le sprint, mais pas, il n'a pas fait une bonne place puisqu'il devait être fatigué. Et puis on va revenir sur ce sprint après. Attaque de Greg Van Avermaet du champion d'Europe à 6 km de l'arrivée, mais il va vite se faire reprendre par le peloton. Et Caleb Ewan qui va s'imposer au sprint, oui. Donc je vais prendre, on aura vu Lotto Soudal, Deceuninck Quick-Step et Michelton Scott rouler en tête et Jumbo Visma en tête du peloton. Même les grimpeurs ont roulé alors que
Ce n'est pas leur truc de rouler sur du plat et sur les pavés. Donc voilà. Ce que moi je vais parler de ce sprint, c'est qu'on a vu Elia Viviani à un moment était dans la roue de Julien-Alaphilippe qui allait l'emmener, mais plus là. Et donc Morcov était juste derrière Alaphilippe. On arrive à 500-600 mètres de l'arrivée. J'essaierai de vous mettre l'image dessous pour que vous voyez bien. Et voilà que Elia Viviani n'est plus dans la roue. Riquezze est un peu plus reculé. Il a fait quand même 4 ou 5e, on verra sur le classement après. Mais ce que je reproche, c'est que Alaphilippe, bon, c'est facile à dire, mais plus difficile à faire. Il aurait dû dire à Morcov, tiens, passe devant moi et comme il n'y a plus Viviani, tu vas m'emmener au sprint. Ce que j'aurais aimé voir, ça aurait pu. Et peut-être qu'il aurait fait une meilleure place encore que Riquezze parce qu'il était bien placé. Si ça aurait fait ça, ça aurait fait comme Arnaud Démare à Pau l'année dernière où il était emmené sur un plateau avec par l'étape. Voilà, peut-être même un peu trop bien placé là pour Julien Alaphilippe. C'est déjà une bonne place pour Maximilio Riquezze, mais ça aurait pu peut-être faire mieux là-dessus. Je sais pas, c'est mon idée, comme on sait que Julien Alaphilippe a une très belle pointe de vitesse, et c'est facile à dire et difficile à faire. J'espère que vous aurez compris ce que je voulais dire. Mais on a eu un sprint un peu décousu, à vrai dire, parce que on n'a pas vu, on verra le classement tout de suite, mais il y a quelques grands sprinteurs qui n'étaient pas là dans ce sprint, hein, qui n'étaient même pas dans le top 10. D'ailleurs, on va le découvrir tout de suite avec Caleb Ewan qui s'impose en 3h04 et 8 secondes, 4 minutes et 8 secondes. Yann Groenewegen, 3, 2e et 3e, Nicolo Bonifazio, Total Direct Energy. Bien joué à lui, hein, pour la team Total Direct Energy, je suis content pour lui. Voilà, Maximilio Riquezze, 4e, donc voilà, pas de Viviani. Greipel 6e, ah, ça lui remonte un peu le moral. Alors j'ai vu qu'il serait peut-être en partance de l'Arkéam Samsic. Et Bad Boa Sonnenagel 5e, qui n'est pas un pur sprinter, hein, mais c'est pas mal. Trentin 7e, Jasper Stuyven qui n'est pas un sprinter non plus, et pareil pour Niklas Arndt, pas des purs sprinters, 8 et 9e. Et Peter Sagan 10e, un peu décevant, mais il y a des Christophe qu'on n'a pas vu. Comme je vous ai dit, des Elia Viviani, il y en a plusieurs hein, qu'il faudrait. Comme ça ne me vient pas l'idée tout de suite dans la tête, mais qu'on n'a pas bien vu, qu'on aurait aimé plus les voir dans ce sprint, surtout que c'est un sprint que tout sprinteur rêve de remporter, ce sprint sur les Champs-Élysées. Les porteurs de maillot avec Bernal en blanc, en jaune et en blanc, ça ne change pas. Peter Sagan en vert, Apoa Bardet, meilleure équipe Movistar, ça n'a pas changé. Le super combatif de ce Tour de France, Logi qui s'est bien battu, même sur les terrains qui n'y étaient pas hyper favorables, c'est Julien Alaphilippe, j'avais voté pour lui pour la part du public. Pour info, voilà, en tant qu'un peu supporter français, et puis parce qu'il le mérite vraiment, même si j'aurais pas été français, j'aurais voté sûrement pour lui. Le classement général, il n'a pas changé. Bernal devant, Thomas est devant, Krujbeck, deux Français dans le top 10, Barguil et Alaphilippe. Alaphilippe 5e, Barguil 10e, 3 Colombiens, Uran 7 et Quintana 8e, et le vainqueur, Egan Bernal. Voilà. Mais une étape à la fin qui a été mieux quand même au début, l'étape Champagne, c'est normal. Alors ceux qui se plaignent, je veux bien comprendre que, ouais, c'est vrai que c'est ennuyant, mais bon, c'est comme ça, c'est aussi bien pour eux, c'est eux qui font la course, chapeau à eux d'avoir fini le Tour de France. Merci tous nos Français, d'ailleurs je referai les remerciements lors du débrief des 3 semaines. Et voilà, chapeau à eux. Et puis je vais faire une petite parenthèse, j'ai vu des articles par exemple sur les hôtesses du Tour. Je trouve ça inadmissible que certains supporters. Les insultes, etc. Ils font des trucs que je vais pas répéter parce que c'est vraiment, excusez-moi du mot dégueulasse de leur part, c'est être mal élevé. Voilà, donc je vais pas revenir là-dessus. Chapeau à elles, aux hôtesses qui distribuent les trucs, les caravanes et qui remettent le bouquet à la fin des épreuves. Je trouve ça inadmissible. Allez voir l'article de France Télévisions, mais parce que moi, ça m'exaspère, j'aurais. Ça serait honteux que je le dise très clairement ce qu'ils ont dit, mais voilà. Chapeau à elle. Et voilà, merci nos Français de nous avoir fait vibrer pendant ce Tour de France. Le sondage, je vous rappelle, c'est pas la dernière dédicace pour mon oncle, puisqu'il y aura le débrief des 3 semaines, mais l'avant-dernier. Donc voilà, je vous dis quichez le palier et à la prochaine. Salut, à la prochaine.